Salut tout le monde, c'est Tutoni, juste avant moi en tout cas, et on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous sommes sur Call of Duty Modern Warfare 2 sur un terminal. Je joue avec l'AK-47, le Space 12 avec les atouts Passe-Passe Pro, Force d'opposition Pro et Visée Solide Pro. Tout d'abord, je vais un petit peu me présenter juste pendant les premières minutes de ce gameplay. Donc moi c'est Tutoni, j'appelle Damien. J'ai 13 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques mois maintenant. Je viens d'avoir les 100 abonnés, déjà je vous remercie. Donc pour les 100 abonnés, Open Lobby sur MW2PC, je le précise. Hein. Et ensuite, serveur sur Minecraft qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc alors là, vous allez voir mon AK-47 il est en or. Pourquoi mon AK il est en or? J'ai fait quoi? J'ai un hack ou quoi? Non, comme je suis sur PC, je peux un petit peu modifier tout à ma guise. Donc j'ai un petit peu tout modifié, j'ai mis une texture sur mon AK-47 hein, que j'ai faite moi-même, et aussi une texture sur mon Space 12. Donc voilà. Alors je joue avec les killstreak drone, missile predator et payvlo, des petits killstreak assez sympas, mais aussi la distance de vue, la FOV, que j'ai changé aussi vu que je suis sur des serveurs privés sur MW2PC. Donc là vous allez me dire, ouais t'as craqué MW2 ou quoi. Non, il faut la version officielle sur Steam. Il faut aussi installer For Delta One. Ceci est un logiciel pour avoir des serveurs privés sur MW2PC. Mais il faut bel et bien avoir la version officielle pour les jeux. Donc voilà, si vous voulez que je vous apprenne comment installer les textures, changer la FOV sur le PC, un petit tuto quoi, dites-le au moins, je pourrais vous faire ça, je dis pas non. Donc je vais envoyer cette vidéo à Code CFS pour faire un petit peu de diversité avec les MW3 qui nous sont un petit peu je pense, avec aussi Code CF et enfin Only Code en espérant être pris. Vous voyez que mon Space 12 est écrit VIP, c'est un petit style que je voulais faire hein. Ça sera pas une partie de ouf mais ça sera une partie assez sympa je trouve. Donc voilà, je tiens à vous la proposer quand même. Donc voilà, alors je vais me présenter un petit peu, je me suis déjà présenté, là je vais juste parler à mes abonnés. Je m'excuse de la semaine d'inactivité sur ma chaîne, j'avais quelques problèmes avec mes logiciels de capture, etc. Je vous invite à m'ajouter sur Steam si vous voulez que je fasse des parties avec vous, hein, parce que pour l'instant j'ai que 100 abonnés, même si je suis bien content, donc je peux vraiment jouer encore beaucoup avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai aussi un Steam et j'ai aussi un Skype. Ensuite, mes projets à venir, une série sur Call of Duty Modern Warfare 2 et MW3 je pense, où en fait, je vais découvrir un petit peu les promodes et tout. Je joue souvent sur le promode de MW2, c'est vraiment un mode assez sympa, je vous ferai aussi des vidéos dessus, parce que je m'amuse bien dessus sur le promode. Je m'entraîne un peu vu que je suis un débutant et j'arrive pas mal à jouer. Petite triple au Predator, je dis pas non. Là ce sera la petite séquence Space 12, c'est un petit peu sympa, hein. Vous allez voir, je vais faire une petite triple, hein. Je dis pas non à une petite triple au Space 12. Donc voilà, j'ai libéré mon Payvlo, je vais m'empresser de l'envoyer hein, pour faire un maximum de frags. Donc voilà, ensuite, il y a aussi ma petite série Découvrons un jeu qui vous plaît, hein. J'avais déjà commencé par Voxatron et Limbo. Et pour les 100 abonnés, il y aura un petit live avec les abonnés, un open lobby, je pense que ça s'appelle comme ça, sur MW2PC. Aussi une vidéo sur comment ça s'appelle, sur Minecraft avec les abonnés sur mon serveur que je vais bientôt ouvrir. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. Ensuite, des lives qui vont bientôt arriver, sans doute, hein, pourquoi pas, vu que les lives, je pense que ça peut vous plaire. Hein. Mais j'en ai jamais encore fait pour l'instant sur ma chaîne. Donc je vais changer un petit peu ma chaîne à zéro, on va dire. Je vais la recommencer, on va dire. Comme j'ai les 100 abonnés, je vais avoir un nouveau background. Pas une nouvelle intro parce que mon intro, je l'aime bien. Vraiment, je vais changer pas mal de choses avec mes nouvelles séries, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse des vidéos avec vous, pourquoi pas. Moi, je dis pas non. Je suis toujours là pour aider mes abonnés. Pour jouer avec eux, pas faire le mec, ouais je m'en mets des abonnés, je veux interagir avec vous. Donc voilà, désolé si je dis plein de fois donc mais voilà, ça fait longtemps que j'ai plus commenté, ça fait déjà plus d'une semaine, je m'en excuse hein. Ça sera vraiment une courte vidéo mais une vidéo assez sympa je trouve, donc dites moi si elle vous plaît.
Sinon, bah, bientôt des vidéos sur MW2, MW3, Code 4 aussi, hein. Et pas mal de Call of et d'autres jeux, bien sûr, hein. Je viens de me procurer pas mal de petits jeux, comme Limbo, Fox Saturn, etc. Et j'ai aussi pu vous proposer un pack que j'ai avec les petits jeux que je vous présente dans Découvrons un jeu. Donc, pour mes 100 abonnés, je vous mets un pack à télécharger totalement gratuitement, bien sûr, pour vous remercier. Tout simplement. Donc, la partie arrive bientôt à son terme. Hein. Je suis déjà à pas mal de scores, je trouve quand même. C'est pas moi qui a fait le meilleur score parce que, soi-disant, il y avait des cheaters dans la partie. Je sais pas si c'était vrai. Mais je vous cache pas, il y aura quelqu'un qui va faire une bombe nucléaire. Je sais pas si t'es un cheater ou pas, mais bon. Donc, on se finit sur un joli score de 45-15 en match à mort par équipe sur un map terminal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à me dire ce que je dois améliorer, en espérant que cette vidéo va passer un petit peu sur des chaînes communautaires. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tuto Dany pour une petite vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2.